Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous bien. Donc nous voilà pour une toute nouvelle vidéo. Donc on va pas faire de jeu là, hein. C'est juste pour vous expliquer quelques trucs. Donc tout d'abord, merci à vous d'être ici, de vous abonner. C'est toujours agréable de voir que ça plaît à quelques personnes. Alors si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, hein, bien évidemment. N'oubliez pas la petite cloche en haut à droite pour être prévenu des différentes autres vidéos qui vont venir. Bon, normalement c'est la plupart du temps un peu tous les jours, hein, mais bon, on ne sait jamais. Donc oui, il y a un petit sommaire, hein, je vais vous remercier. Les différentes vidéos à venir qu'il y a et qui va voir, pardon. Peut-être un petit concours à la fin, hein, si il y a assez de monde pour y participer. On y va. Donc, tout d'abord, merci à vous, oui. Alors, 440, c'est quand j'ai fait la vidéo, donc il n'y a pas longtemps. Donc tout d'abord, oui, merci, hein, c'est beaucoup. C'est déjà beaucoup pour moi, hein, enfin, pour toute chaîne, hein, d'ailleurs. Hein. Je fais ça pour moi évidemment, si ça me plaît, je m'amuse. Mais si en même temps ça plaît pour d'autres personnes, c'est toujours agréable. Donc merci à vous de me suivre. En espérant que ça, la plupart des vidéos vous plaisent, hein, bien sûr. C'est toujours mieux quand même. Dans les 700 000 vues, donc c'est quand même pas mal. Vu qu'il n'y a que peut-être 1000 vidéos ou 2000, donc c'est pas non plus énorme. Pareil pour les abonnés, donc c'est quand même une bonne moyenne. Donc c'est vrai que la plupart des vidéos qui ont été beaucoup vues, c'est Mario Galaxy ou Animal Crossing ou Mario Kart. Hein. Bon, ça, la plupart du temps, c'est normal. Hein. Donc, merci encore. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces bleus aux différentes vidéos si vous voulez les voir de temps en temps. Ou n'hésitez pas à regarder la playlist. Hein. Il y a pas mal de. Enfin, il y a toutes les consoles à peu près. Sauf PC, parce que je suis pas trop PC. Mais voilà, donc n'hésitez pas à regarder. Hein. Puis à me dire si vous aimez ou si vous faites le jeu aussi. Hein. C'est toujours agréable. Hein. Voilà, donc merci beaucoup à tous et à toutes. On continue. Bon, évidemment, Zelda, hein, on va pas se mentir, c'est l'hype du moment. Donc en ce moment, je suis en train de faire le. Je suis presque à Ganon. Bientôt finir. Là, la première partie de l'histoire, hein, on va pas se mentir. Donc je vais faire en let's play, donc l'histoire en y passant, donc ça veut dire. Je vais terminer le boss sans avoir tout eu. Donc je pense d'ici 4-5 épisodes, ça ne doit pas tarder. Là je suis au dernier donjon, piaf. Donc là, donc terminer Ganon en n'ayant pas tout fini. Hein, voilà. L'histoire avec la vraie fin, avec les 13, 13 souvenirs, donc 12 et le 13e se débloquent à la fin, en ayant voir Impa. Donc là, je rebattrai le boss, bien évidemment. Les 120 sanctuaires, bon, logique, hein. D'ailleurs vous envoyez un tous les jours, normalement, qui sort à 17h sur la chaîne. Là, il y en a assez jusqu'au 22-23 avril. C'est déjà tout préparé. Je dois être à 90 ou 91, quelque chose comme ça. Donc ça monte tout doucement. Hein. De toute façon, je les ferai tous un par un. Donc si je les trouve pas, ça me mettra un petit peu de temps, mais ils y seront tous, vous inquiétez pas. Après, speedrun notre glitch, ça veut dire que je vais essayer de faire l'histoire le plus vite possible, mais sans les glitches, donc ça veut dire sans courir infini, monter infini, le truc du cheval, là tu peux courir indéfiniment avec, je fais en fait normal, mais le plus vite possible. Donc sans les 4 donjons, bien évidemment, parce que c'est trop long. Hein. Ensuite, je ferai évidemment speedrun notre glitch avec les 4 donjons, donc que les 4 et vite le boss. Voilà, donc ça prendra peut-être 4-5 heures, je sais pas, hein, enfin on verra. Le speedrun sans les boss, ça devrait prendre peut-être 2 heures, hein, je sais pas, 1 ou 2 heures. En sachant que le record du monde est d'une heure, mais vu que je fais pas de trucs, moi ça va être largement plus long, donc je sais pas, on verra. Enfin, ça c'est si j'y arrive, hein. De toute façon, si j'y arrive pas, vous verrez le fait que en vidéo, hein, parce que je ferai évidemment tout en vidéo. Et sans test, hein, je fais direct, je veux dire sans entraînement, voilà, c'est ça. Ensuite, l'histoire est 100% dans l'ordre des donjons, donc ça veut dire que je vais recommencer l'histoire, mais en changeant les donjons. Là, j'ai fait comme la plupart du monde, hein, la plupart du temps, la façon, on va dire, la manière facile, easy. Donc, ce qui veut dire donc Zora, Goron, Gerudo et Piaf. Ou Piaf et Gerudo. Non, Piaf et Gerudo, moi je dirais la plus facile, voilà. Ouais. Et donc là je changerai, évidemment. Alors je sais pas encore, mais c'est clair que je ferai Piaf vers la fin.
Parce que c'est le plus facile, enfin c'est celui qui aide l'histoire, puisque avec celui-là tu peux pas mettre de voler. Donc c'est évident que si tu fais ça à la fin, bah t'es embêté. Celui des auras aussi vers la fin, parce qu'il te remet de la vie, donc c'est évident, si tu fais ça au début, bah ça t'aide, hein. Donc je sais pas, je serais peut-être Gerudo, Goron, Piaf et après Zora. Voilà. Enfin bon voilà, je changerais l'ordre, hein. C'est quand même mieux, hein. Ça change un peu l'histoire. Je rebattrai donc le jeu à 100%, et donc ça veut dire que une fois que j'aurai tout 100%, je rebattrai le boss une dernière fois pour voir bah, s'il y a une vraie fin avec le tout 100% marqué en bas à gauche. Donc vous voyez que tout ça fera beaucoup de playlists, ça va m'emmener très très loin dans le futur. Avec une vidéo par jour peut-être, ou après peut-être tous les 2-3 jours, ça dépend. Bah, vu le temps que ça met, hein, évidemment. Hein. Puis pas non plus, s'il n'y a pas que ça aussi, hein, mais bon voilà, faut que ça tienne un petit peu un certain temps, on va dire. Donc voilà. Ensuite, évidemment, Zelda dit bah, les DLC. Alors, tout d'abord, sachez que j'ai pas pris une mars là, les trois nouveaux coffres. Parce que bon, apparemment, il n'y a pas non plus grand-chose d'intéressant dedans. Bon, peut-être que tu prendras après, mais je sais pas, on verra. Sinon, je prendrai évidemment les deux autres, hein, mais vu qu'on est obligé de prendre les trois, bah, je pense que j'ai pas le choix, je vais prendre les premiers. Donc le pack, alors je suis pas trop bon en anglais, mais je pack 1, je crois que c'est la fameuse cave ou la grotte d'Orgali, un truc comme ça. Ouais, je crois que c'est ça. Les fameux 50 étages. Avec différents challenges normal. Le mode hard, donc là évidemment, je ferai aussi un let's play en mode hard, hein, pareil, hein, avec les 4 boss. Je sais pas si je ferai 100% ou pas, vu que c'est pareil, on verra. Mais je vous redis, je vous rappellerai d'ici là. Hein, son été, il y a le temps. Additional map, bon moi ça on sait pas encore, c'est des différentes choses sur la map. Bon. Peut-être d'autres relais, d'autres missions, je sais pas, on verra. Hein. Deux, alors nouvelle histoire, donc évidemment je le ferai. En let's play, pareil, donc là 100% et 1%, je sais pas, on verra. Mais bien évidemment je le ferai. Nouveau donjon, je le ferai aussi. Et additional challenge, donc ça, à mon avis c'est nouveau sanctuaire, donc je ferai aussi en vidéo. Donc tout ça je ferai un petit peu séparé hein, bien sûr hein. Mais bon on en reparlera un peu plus tard mais bon sachez déjà qu'il y a beaucoup de Zelda ce qui est normal hein. En plus j'adore donc c'est parti pour ça ensuite Mario Kart 8 mais oui il fallait bien hein. Je l'ai fini enfin je l'ai fini largement sur toutes les consoles donc sur Wii U bon vous allez me dire que c'est pareil que sur Wii U c'est vrai mais bon tout le monde n'a pas la Wii U puis bon tant que, puisque j'ai la Switch hein, autant prendre avec la Switch hein. En plus, ça fera les deux items comme sur 64. Faites la classe. Donc oui, donc je ferai ça. Bon, le mode histoire, pas vraiment le mode histoire, même si bon, je ferai une fois les coupes pour dire deux. Pour voir, voilà, pourquoi pas. Hein. Même si tout le monde les connaît, hein, c'est toujours ça de bien. Mais c'est surtout pour le mode battle ou même des petits tournois en Grand Prix. Donc voilà pourquoi je vous ai marqué mes deux Kadami. Donc c'est deux mois, mais un qui est français, l'autre qui est Jap. Donc pour ça, voilà, c'est bon. Vu que j'ai un store Jap, c'est pour ça que j'ai mis les deux. Donc là, donc n'hésitez pas à mettre mes codes d'amis, à m'ajouter, je ferai pareil, bien évidemment. Vous pouvez le faire maintenant ou même plus tard, ça fera l'importance. Hein, après, c'est juste pour y penser, comme ça, si vous le faites maintenant, bah, ça sera fait. Hein. Il n'y aura pas besoin d'y refaire plus tard. Donc voilà, donc Mario Kart 8 pour faire des tournois. Soit en battle, soit en grand prix, puis voilà, je trouve ça marrant de se faire des fracasser entre nous. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous d'ailleurs, s'il y en a qui veulent l'acheter, qui vont l'acheter. Bah, plus on sera nombreux, même c'est, je pense, hein, donc n'hésitez pas. Donc tout ça, ça sera un petit peu mélangé avec Mario Zelda quand ça sortira, hein, bien évidemment. Mais je vous redirai tout ça. Donc Zelda, ma carte après. Donc pareil, alors Puyo Puyo et Tetris. Donc j'adore un peu plus Puyo Puyo moi personnellement, je l'avoue. Tetris c'est pas trop, enfin, bon comme tout le monde, mais bon, je préfère Puyo Puyo. Mais vu qu'ils sont ensemble, bah, je vais prendre les deux, bien évidemment. Donc là-bas, pareil, apparemment on peut faire du versus en ligne. Bon, en local non, à moins que vous habitez vers chez moi, mais sinon en ligne. Donc là aussi, je trouve ça marrant, surtout Puyo Puyo. Donc si vous avez l'intention de l'acheter, eh bien n'hésitez pas, hein, pareil, mettez le code ami, puis on passera des petites parties. Hein. Ce sera fun de se battre. Donc voilà. À mon avis, celui-là il sort dans le mois d'avril. Ensuite, bon ben, Super Mario, hein, évidemment. Le fameux Odyssey. Bon, ça, je pense que tout le monde va le prendre. Tous ceux qui ont la Switch. Parce
Donc celui-là est en septembre, donc il y a le temps. Mais voilà, donc pareil, je vais le faire aussi, hein, comme j'ai fait Mario 3D, j'ai fait Mario World, Mario Galaxy 1 et 2 à 100%, donc mais évidemment, je le ferai à 100%. Alors je sais pas comment ça marche encore, s'il y a des étoiles ou quoi que ce soit, mais je ferai tout, bien évidemment. Mais nous en reparlerons plus tard. Ensuite, je vais certainement faire aussi Crash Bandicoot sur PS4. Parce que j'adore celui-là. Je l'avais fait sur PlayStation, la première, deux. Et j'ai trop adoré. Donc voilà. Bon, ce sera pareil, hein, mais bon. Toujours fun ce jeu. Donc voilà. Ça c'est en juin ou été, je crois, par là. Il y a un peu le temps. Alors ensuite, oui, à voir. Si je fais des jeux Wii U, Xbox ou émulateur. Alors oui, Wii U, donc je les ai. J'ai pas mal de jeux. Là oui, j'en ai énormément. Par contre, je sais pas comment la faire en HD. Donc tout dépend si vous voulez voir des jeux Wii. C'est quand même vieux, mais bon, il y a quand même pas mal de bons jeux. Hein. Donc soit je chercherai comment la mettre en HD. Soit je filmerai avec une caméra à main. Donc ce sera pas une qualité super. Comme mes premières vidéos, toutes premières. Mais bon, après, c'est mieux que rien, vous me direz. Hein. C'est toujours pour voir à peu près à quoi ressemble un jeu, on va dire. Voilà. La Wii U, pareil, j'ai quelques jeux aussi, donc si ça vous intéresse, après, pareil, à voir quel jeu vous intéresse ou pas, que ce soit indé ou pas. Après, PS4 et Xbox One, bah pareil, tout dépendra des jeux. Hein. Je suis pas trop FPS, donc non. Mais sinon, déjà, qu'est-ce qu'il peut avoir? Donc voilà, après, je m'en dis code, peut-être le prochain Tomb Raider, mais c'est pas pour encore. Donc voilà, après avoir en fait en fonction des jeux, hein, mais bon, pourquoi pas, hein, je dis pas non. Après émulateur, donc là, bah, évidemment sur PC. Donc bah, un peu tous les émulateurs, j'ai mis ceux-là, mais je les ai tous. Donc appareil, à voir en fonction de ce qui vous plaît, si vous voulez voir des vieux jeux, ou juste comme ça, pour voir à quoi ça ressemble. Moi j'aime bien Super NES, NES et Neo Geo. Bon, c'est arcade un peu, hein. J'aime un petit peu tout, mais bon, on va dire que c'est le plus simple, et puis bon. Même si j'ai fait pas tout, si je les termine pas, c'est pas grave, au moins vous montrer à quoi ils ressemblent, et puis comment on joue, voilà, genre de choses. On peut aussi faire émulateur PS1 et PS2, parce que j'ai tous les jeux. Donc pareil, en fonction de voir les jeux que vous aimez, ou que vous aimeriez qu'on teste, hein, même si c'est juste pour tester, même si c'est qu'une vidéo, pas de problème. Autant regarder, hein. Il n'y a pas de problème. Et puis, on va terminer, quand même, pour vous remercier. Donc, un petit concours, hein. Dans un concours, s'il y a assez de monde, évidemment. C'est que 4 personnes, bon, on va pas se mentir, peut-être pas trop le faire. Donc, ce sera. Mais il n'est pas pour tout de suite, hein. C'est le 22 avril. Donc, je vous en parle là maintenant, mais je vous en parlerai un peu plus tard. Et donc, le 22 avril, bien évidemment. Donc, c'est juste un petit concours. Donc, évidemment, il faut être abonné à YouTube ou Twitter, parce que je ferai les deux. Peut-être Facebook, je sais pas, je verrai. Tout dépend s'il y a un beaucoup con Facebook ou. Enfin bon. Ça c'est à voir encore, je sais pas. Donc il faudra évidemment vous abonner à mes chaînes. C'est un minimum, hein. Désolé, hein, mais bon, tant qu'à faire. Et donc là, après, c'est le truc qui sera gagné. Donc je sais pas encore comment je ferai, mais je pense que je vous demanderai de mettre un commentaire avec ce que vous voudriez avoir. Et puis après, c'est le hasard, hein, voilà. Donc Zelda, ah mais je vais mettre The Breath of the Wild, c'est soit sur Switch, soit sur Wii U. À voir. Une souris gamer. Un amiibo gardien. Hein, pour moi, voilà, vous connaissez. Un amiibo 30 ans de Zelda. Donc soit c'est un au hasard ou je verrai. Si vous êtes fan de DBZ, j'ai des romans d'un fanfic qui s'appelle DBM. Qui sont super bien, si vous aimez Dragon Ball, c'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur, on va dire la meilleure histoire de Dragon Ball, après Dragon Ball Z, bien sûr. Hein. Alors, une carte 20-25 euros, donc on va voir, que ce soit iTunes, Apple, Google, Nintendo, Steam, oui, un petit peu tout. Vous choisirez celle que vous voulez, dans toutes celles-là, hein, voilà. Je dis une carte, mais bon, c'est vous qui choisissez en fonction de ce qui vous plaît, hein, de ce que vous aurez. Et puis, si vous êtes fan, j'ai Zelda 1 ou 2 en S. Bon, peut-être un autre jeu, on verra. Bon, ça c'est pour les collectionneurs, mais évidemment. Voilà, après je sais pas en fonction de voir, mais bon, c'est peut-être des jeux au GameCube, je sais pas si beaucoup de gens qui jouent encore à ces jeux-là. Bon. Voilà, c'est juste quelques trucs comme ça pour remercier les différents gens.
qui sont abonnés. Mais bon, on verra ça le 22 avril. Donc déjà, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Puisque bah, plus il y aura de gens, bah, mieux ce sera, hein, évidemment. Plus il y aura de choses à gagner. Ceci avec deux personnes, bon, bah, on va pas le faire. Hein, désolé, mais bon, ça serait dommage. Donc n'hésitez pas à en parler. Donc YouTube, Twitter, c'est sûr. Et Facebook, bah, à voir en fonction d'une si vous avez des Facebook ou pas. Voilà. Donc j'ai dit, bah, je pense avoir dit un petit peu tout. Donc mes vidéos. Donc vous avez régulièrement une vidéo donc, à 13h tous les jours. Donc Zelda, c'est l'histoire ou un petit peu tout. Et à 17h le soir, c'est un sanctuaire tous les jours. Pour l'instant, jusqu'à qu'il n'y en ait plus, bien évidemment. Et si ça change, bah, de toute façon, vous verrez. Mais normalement, ça devrait être ça pour l'instant, au moins jusqu'au mois d'avril. Après, on verra si ça bouge ou si ça bouge pas. Donc voilà. Donc tout d'abord, bah, merci d'avoir suivi. Mettez en commentaire bah, ce que vous pensez de tout ça. Dites-moi s'il y a des jeux que vous aimeriez voir ou que vous aimez. Commencez à voir bah, ce que vous aimeriez pour le concours si vous le faites. Voilà, bah, je pense que c'est tout. Voilà, je pense que je remettrai ça quelques infos en commentaire. Bah, sinon, je crois que c'est bon. Puis de toute façon, je reviendrai à l'occasion ici. Ou n'hésitez pas en commentaire à me poser des questions. Je répondrai bien évidemment. Voilà, merci à tous et à toutes. N'hésitez pas à vous abonner. Un petit pouce bleu. Et puis bah, à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.